Retour sur Assassin's Creed Unity. Ben on va reprendre là où j'avais laissé. À la mort de Monsieur de la Serre. Je connais pas son prénom. On s'en fiche, il me semble. Donc. Qui tenait le couteau. De grâce, ayez pitié. Calia est omnes divisa in partes tres. Il nous tue. Oh mon Dieu, ayez pitié. On tue les prisonniers ici. Ça suffit, espèce de dégénéré. Il a poil. Et une belle bande de rigolos en tout là. Où suis-je? En enfer! Qu'est-ce que tu regardes, merdeux? Laisse-moi tranquille, gamin. Bien, bien, bien. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, il me semble qu'à l'époque où il y avait encore la Bastille, qui servait de prison, en tôle, il jetait pas seulement les prisonniers, mais les fous aussi. Je crois, hein. Ça reste à vérifier. C'était à l'époque des lettres de cachet. Le roi, s'il voulait enfermer quelqu'un, une lettre de cachet et hop. Pas de justice, rien du tout. Bienvenue dans ton nouveau foyer. Et on se retrouve en tôle comme ça. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Eh hey oh! Je dois parler à quelqu'un! Ouvrez cette porte! Crie tout ton sourd. Tout le monde s'en fout. Je dois parler à Élise de la Serre! Vous m'entendez? Élise de la Serre! Je vais faire toutes les interactions. Élise! Vous devez appeler Élise! Je n'ai tué personne! Tu perds ton temps. Non! Pas le fer rouge! Pitié! Tout, mais pas ça! Bien! On va lui parler jusqu'à qu'il en a marre. Où je suis? Je pourrais te tuer de cette façon. Même de 12 si j'avais une cuillère. Il y a un problème dans la traduction là. Le sous-titre, je veux dire. Ils ont marqué cuillère. Si tu ronfles, je t'étrangle dans ton sommeil. T'es prévenu. Là, il a trop les nerfs, le vieux là. Quoi? Je veux ta photo. Ok, c'est bon. Maintenant, on merde celui-là. Vois cela comme un honneur. Ces temps-ci, on n'embastille que les fous, les pervers et les traîtres. Ça doit être un fou, lui. Alors, il me reste à savoir si tu as tué quelqu'un d'important
ou plutôt baiser quelqu'un d'important, hein? Quel langage? Quoique ça n'a guère d'importance. Ici, c'est nous qui sommes baisés. Ouais, lui, il doit être baisé dans sa tête, lui. Bref. N'essaie pas de t'enfuir. C'est une chimère, mon ami. Ah, mais le tissu est rempli de sang, là. Je viens de remarquer. Ok, c'est bon. On a fait le tour. Regardez bien à droite là, le vieux s'est levé. Où est-ce que t'as trouvé ça, merdeux? Arrête, je ne suis pas d'humeur. Rends-la-moi! Viens me la reprendre. Si tu t'en crois capable. Alors, on va frapper le vioc. Tiens, dans ta face. Joli coup, merde. Voyons si tu te défends aussi bien. Tout ça pour une misérable antiquité. Je connais une misérable antiquité qui ferait certainement mieux de se taire. Répète-moi ça. J'ai rien d'autre à te dire, vieillard. Il y a de la répartie, les petits. Ils se sont fait un bisou, c'est bon. Il a le côté droit de son visage qui est parti en cacahuète. Il a plus d'œil là, il a plus de tête. Bon, ça devient ennuyant, finissons ça. Rends-moi ce qui m'appartient et retourne à tes dessins, vieillard. Mes dessins? Ces dessins, là, il y en a partout. Tu as couvert toute ta cellule de tes pattes de mouche. Mais... Approche un peu, petit merdeux. Tu vas me lâcher? Regarde bien le mur. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-le. Concentre-toi. Qu'est-ce que c'est? Des messages du passé. Je me suis fait jeter dans la moitié des prisons de Paris pour les trouver. Comment tu t'appelles, petit? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Je m'en doutais. Pierre Bellec. J'ai connu ton père. T'en as de la chance. Il est mort à Versailles. En quelle année déjà? 76? 77? En décembre, si je me souviens bien, avec pas de témoins. Comment sais-tu? Ton père était un assassin, Arnaud. Il s'est battu toute sa vie, afin que l'humanité puisse vivre libre. Reste à mes côtés, et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la confrérie. Et faire honneur à sa mémoire. Écoute, je suis persuadé que ta petite secte est vraiment charmante. Mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est retrouver Elise. Et comment tu comptes t'y prendre depuis cette cellule ? Thank you.
Deux mois plus tard. Encore. Concentre-toi, merdeux. Qu'est-ce qui se passe dehors? Les citoyens s'agitent. Tends bien l'oreille, la chance pourrait venir frapper à notre porte. Ça y est, c'est la fête. Parfois la chance frappe en faisant exactement le même bruit. Protégez les prisonniers. Fais comme moi. On n'a pas toute la journée. Oui, oui, j'arrive. Assez. Prisonnier, debout contre le mur. Au nom de qui? Vous avez bien dit que ça finirait mal. Silence. En arrière. Ok, on a deux. Un chacun, je suppose. Il l'a planté avec quoi là? J'ai entendu un coup de lame, mais il a passé à lame secrète. Oui, j'aime bien regarder les petits détails. On va en parler. Parade parfaite. Damien. Tu vas devoir les retenir, merdeux. Il me semble qu'il y a une petite histoire avec Damien la révolution. Je sais plus quoi. Bref. Trois parades parfaites. Deux bombes fumigènes. En voilà une. Bellec, la porte est ouverte. Encore? Mais un problème. Trouve une solution. On peut toujours espérer, maudit sang. Ensemble. Retiens-les. Bon, ce qu'on voulait. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Parfait. Ne te dépêche pas pour moi, surtout. Surtout, prends ton temps, Bellec. Bellec, on peut pas libérer les gens. Ça y est. On y va, merde. Oh oh. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout? Par la fenêtre. Vite. Vite. Je te suis, vas-y. Ils savent pas viser, hein. Tiens. Mange. C'est gratuit. Et maintenant? Bravo. Et comment on fait pour redescendre? Et confiance. Et la foi. Je me rends. Pour ceux qui ont compris la petite allusion, hein. Sinon, laissez tomber. Qu'est-ce que t'attends, merdeux? Il faut sauter! Quoi? La prison t'a ramollé la cervelle, vieillard? Le vin s'en est chargé depuis longtemps. Allez, grimpe maintenant! Je ne peux pas, c'est impossible! Impossible? C'est le pain quotidien des assassins, petit. Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver.
Tu te sentirais chez toi. Au revoir, merdeux! Toi, éloigne-toi du rebord! Bon, allons-y. Élise ? Eh bien, quel accueil ? On n'est jamais trop prudent. Pas après ce qui s'est passé. Élise, je... N'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté ? Élise, je t'en prie. Comment peux-tu croire que j'ai tué Monsieur de la Serre ? Ton père n'était pas l'homme que tu croyais. J'ai vécu la même chose avec le mien. Je sais exactement qui était mon père, Arnaud. Et je sais qui était le tien. Je suppose que c'était inéluctable. Tu es un assassin, moi un templier. Toi ? Ça te surprend ? Mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. Non. Non ! Sur mon âme, je jure que je n'ai pas. C'est... Une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Lila. Grand maître de la Serre, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le père de la sagesse vous guider, elle. Je l'ai trouvé par terre dans la chambre de mon père. Cacheté. Je ne savais pas. Mon père non plus. Comment aurais-je pu savoir ? Va-t'en. Je t'en prie. Eh ben ça commence bien. Remise en main propre qu'il disait. Morale de l'histoire, c'est quand on vous dit main propre, il faut remettre en main propre. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Enfin bref. Diable, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ok. Cette mission, ce que je vais faire, oui, je vais couper ici. Non, c'est bon, je vais bien couper ici. Et prochaine vidéo, enfin, avant la prochaine vidéo, je pense que je parcourrai un petit peu la ville. Je verrai ce que je ferai.
Mais sinon, la prochaine vidéo, ça sera dès que je serai à la mission. Pour pas que ça soit trop long. Voilà, ce sera tout pour maintenant.